gauler un caddie. Allez, un caddie, Bonjour. On pense à vous faites votre course, c'est sympathique, je trouve. Vous êtes du magasin? Non, pas vraiment, en fait. En fait, le sèche-cheveux là dans votre caddie, vous pensez acheter? Ah si, je l'ai mis dans mon caddie. De toute façon, c'est pas son affaire. Ça va la vie? Je vous dérange pas? Chut, je m'en occupe. De quoi il me parle celui-là? En fait, c'est simple, hein. Je le vole pour vous et vous me l'achetez à la sortie. C'est pas mal, hein? Écoutez, mon pauvre garçon, c'est un endroit civilisé, ici. Maintenant, c'est parce que je vois 249 francs, c'est immense. Bon, en fait, je peux vous faire 20%. Je rêve. N'importe quoi. Et le pot d'Atarama gratuit. Bah, 30% non. Allez, on emballe tout. Hein? 30%? 30% et on emballe tout. D'accord. Ok, on se retrouve mais là, mais là, j'ai pas encore fini mes courses. Mais c'est pas grave. On se retrouve sur le parking, hein, sur le parking. Le chèque, c'est moi qui le remplis? Ouais, la machine est cassée. Allez. Merci. Au revoir. Hé, mon stylo fille. Oh, pardon. Petite vérification, madame. Je peux voir votre ticket? Mon ticket? Oui. Tenez. Merci. Et le séchoir? Le séchoir à cheveux? Un séchoir? Je n'ai pas acheté de séchoir. Vous allez prendre un séchoir à cheveux dans les rayons, madame. Vous allez me suivre, madame. On va régler ça discrètement. Mais mon caddie? Laissez.
Franchement, c'est un peu fort de café. Pour les articles qui coûtent cher, on suit ça de près. Sur nos écrans. C'est chaud, il y a un type qui pique des fromages dans son slip. En sérieux, j'adore. Bon. Allez, papier. Allez, allez. Alors, ce séchoir à cheveux, il est passé où? Écoutez, monsieur, tout ce petit numéro me paraît déplacé. Je dis papier ou je te fous au flic? Allez, donne. Allez, donne-moi ça. Tremblez pas comme ça, madame. Yo! On va pas vous manger. J'avais une petite vieille piquée de la vodka. Allez, donne-moi ça, toi, dégage. Monsieur, je n'ai aucune raison de voler. Connard, comment ça me gonfle, celui-là? J'ai vu, vous l'avez tripoté, avec vos doigts, là. Mais tais-toi ou je te colle une droite, toi. C'est de la race des petits rigolos, ça. Agnès Salam. C'est bon, y a rien. Autant pour nous. Vous pouvez y aller. Désolé pour la couille dans la patin, hein. Gilles, bordel! Putain! Oh, con! Tu sais combien ça coûte, ça? On pourra jamais te le payer, jamais! Allonge la canne. Du con. Hop! La boîte? Ah bah, j'ai trop encombrante, vous comprenez, je l'ai fait lourder sur place. D'accord. Et la garantie? Eh bah, vous charriez, là, hein? Ah bon? Bah oui. Et le tarama? Tarama? Ah oui, tarama, oui. Oh, si, t'es séventré. Oh là là. T'es désolé. Bon, on revoit. 175 francs, j'ai tout calculé. Calculé. Dites. Ouais. Pourquoi m'avoir choisi moi? Et l'argent? Hein? Mais pourquoi moi? Parce que je suis un pro, moi. et là, vous avez un peu de temps devant vous, non? Bon. Alors comme ça, vous jouez les goujats dans les rayons et maintenant il n'y a plus personne. Je veux pas m'abaisser plus, moi, wow! Vas-y. Fais-moi du bien. Voilà, ça suffit, hein. Je me trace. J'ai pas fait d'études aujourd'hui, putain. Merde.